Salut tout le monde, c'est Lol, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur Arm of War. J'ai pas pu faire de vidéo parce que ma tablette a bugué. Elle a arrêté de fonctionner pendant une semaine et demie. Du coup j'ai réussi à l'envoyer chez un réparateur, il l'a réparé, je l'ai récupéré ce matin. Je fais une vidéo. Arm of War, c'est le 3. C'est un jeu de stratégie. Tu dois réussir à déglinguer la base de l'autre. Peux passer là. Réussir à battre l'autre. Ça, c'est simple si l'autre est nul. Là, je suis contre un vrai joueur, donc si l'autre est fort, c'est pas si simple. La caserne. Voilà. Je vais envoyer des troupes pour un peu inspecter tout ça. Parce que là, pour l'instant, j'ai aucun visuel. On fait trois pour les envoyer pour essayer de trouver des colis. Là, je peux utiliser des boosters, mais j'en ai jamais utilisé encore. Juste attendre que ça. Voilà, c'est bon, il sort tranquille. Et bouge ton con, Jérémy. Bouge ton fion, Jérémy. Et hop, je vais courir jusqu'à là-bas. Il va courir jusqu'à là-bas. S'il te plaît, trouve un truc de ressources. Voilà, 250 obtenus, c'est parfait. Je vais faire un autre centre d'approvisionnement. Pas la place ici, mais il y a la place là. Parfait. Yes, il en a trouvé un. Même deux. Le record a coupé, désolé. Bon, j'ai un peu avancé, je me suis fait un truc pour les avions. Là, je suis en train d'améliorer mon usine d'assaut. Et là, je me suis fait quelques soldats, je me suis fait encore attaquer, du coup, j'ai construit ça. Ce qui m'a permis de me défendre contre eux. Putain, il est con. Ok, il me fait un autre assaut. Okay. Là, je suis plutôt pas mal pour me défendre, surtout qu'il y a un hélico qui arrive. Retourne sur ça, hein, tu l'as pas pris. Et lance-roquette, ok. Je vais me créer deux armes à Lyon. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que tu peux choisir entre deux trucs. Soit tu choisis d'être les rebelles, comme moi. Là, je suis les rebelles. Et les bleus, ce sont les confédérés, ils s'appellent. Ce sont soi-disant nos potes, les mecs sympas. J'ai bien dit soi-disant parce qu'ils sont pas si sympas que ça. Si on... il y a des rebelles, c'est qu'ils sont pas sympas. Je construis un canon fixe parce que quand il va arriver avec ses vraies armes, je vais prendre cher. Non, je m'en doutais. Centrale électrique. Ici. Oui, je le construis la centrale électrique comme toi. J'ai 13 troupes pour le moment. Je crée un autre hélico. Faire revenir ceux-là qui servent à rien là-bas.
Tu veux créer l'usine de véhicules spécial, c'est ça? Salope. Pas la place. En vrai, cette usine, c'est pas le truc le plus important. Bon, je peux me débrouiller sans. C'est pas grave, s'il m'envoie pas d'aérien, je peux me débrouiller sans. J'améliorerai ça, je vais me prendre des lance-roquettes. J'ai pas encore les tanks. Ça qui fait chier. Ni les avions de chasse, ni les bombardiers. Sinon, ici j'ai tout. Les snipers aussi, je les ai, mais je les utilise rarement. Et sinon, il y a un truc, un chantier naval, mais c'est rare qu'on l'utilise. Après, je pourrais utiliser des murs, ici. Mais la flemme. Voilà, mon canon fixe est terminé. Caserne est terminée. On se fait une petite armée de. Ouais, 7, on va en mettre 7. Hein. Hop. On va faire deux... aucun écho supplémentaire, je passe. Ça prend 3 places, donc 9. 11. J'ai juste la place pour en rajouter 1. Et après, je lance un assaut. Sur sa base là-bas. Le problème, c'est qu'il a un bunker. Ça, c'est quoi ça? Caserne, niveau 1. Soit il s'est mis plusieurs casernes. Ah non, c'est pas des lance-roquettes qu'il a, donc tout va bien. En vrai, s'il attaque avec que des petits, il est mal. Une minute 10 encore. Créer une autre Mirador que vous qui veuillez encore m'attaquer. Je peux pas. En vrai, je vais me créer une tonne de Mirador pour bloquer son attaque. Voilà. Trop sélectionné de monde. Là. 25 secondes. En vrai, là, pour qu'il passe tout seul, le canon. En vrai, le canon là, il sert à rien s'il envoie aucune véhicule lourd. Aucun véhicule lourd, c'est-à-dire véhicule bah, des véhicules. Là, il y a tout le monde. Comment fait-on les gens? Hein? C'est pas grave. On va tout envoyer sur le bunker. Tout le monde se barre, parfait. Maintenant, je me crée 4 petits juste pour défendre au cas où. Je me fais. En vrai, là, il y a 40 troupes qui se dirigent droit sur lui. Enfin, pas 40, parce que. Putain, mais il fait une armée de petits, lui. Je crois que tout
tous les petits que je suis en train de former suffira pas contre son armée. Mais lui, ça suffira largement pas, ce petit bunker. Regarde, il y a un bunker de démoli là. Ah, il a découvert que j'ai envoyé une attaque, fait chier. Mais en vrai, une tonne de petits, ça peut bien marcher. Quand je dis petit, c'est l'infanterie. Tous là-bas. Sur lui, je vais. Démolissez lui ça. On a tué toutes ses troupes, sauf lui aussi. Bon, bah, on a gagné. En vrai, lui, il se fait pas chier. Il crée une tonne d'armes. De monde et voilà. Pourquoi il crée une petite troupe? Il avait aucune chance là. Ah, le pauvre, j'ai presque de la pitié pour lui. Je parle pour le petit soldat. Hein. Manger des missiles dans la gueule. Pour ça qu'il faut varier. Première fois que je tombe sur quelqu'un qui s'amuse à faire une armée de petits. D'habitude, c'est plus une armée de tanks. Victoire. Ouais. Pourtant, elle est au même niveau que moi. 75% d'activité, lui 27. Oh, grosse merde. Bon, bah, on a fini. Bon, d'habitude, ça prend plus longtemps, mais. Récupérer. Récupérer. Ignorer. Oh, ma libellule a fini d'améliorer. Je vais encore augmenter. Libellule. Augmenter la précision des tirs, ça c'est bien précis. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre des pouces bleus. Au revoir.